entraîne les groupes des Lorientais. Et on a une particularité à Lorient, c'est que dans les Lorientais, on a beaucoup d'anglo-saxons. Parce qu'on a le groupe Artemis et souvent, bah, c'est plutôt les jeunes. On a quand même des gens qui sont assez, pour des bisus, qui sont assez bons. Enfin, y a des faux bisus comme Damien. Il y a des vrais bisous comme Justine qui montre aussi de belles choses. Là je fais pas beaucoup de briefing en fait parce qu'ils sont dans leur course. Le principe du Figaro c'est derrière d'être un peu tout seul et de gérer ses choses pour soi-même. Écoute, nous on a un groupe, le pôle a 7 coureurs sur la course, dont 2 vrais bisous, Emric de Croix sur CMB Espoir. Et puis Cécile Laguette. En fait, j'essaye de ne pas rentrer dans des conseils trop didactiques parce que déjà, je ne voudrais pas me tromper. Je pense qu'Anthony, Corentin, Alan, c'est des gens qui savent exactement ce qu'ils ont à faire. C'est juste de leur rappeler un peu des bases. Et les plus jeunes ont la fraîcheur de faire les choses simplement et de manière efficace. Et du coup, ils poussent sacrément fort, quoi. J'aide à organiser les journées sur les programmations, les planifications. J'essaie d'aider aussi les améliorations sur les bateaux et en individuel. C'est vrai qu'il y a une certaine culture de l'offshore et de la course au large à la française qu'ils ont besoin d'intégrer. Et je crois que là, ils ont, depuis le temps qu'Artemis a mis en route son programme, je crois que là qu'on arrive à un niveau où ils sont parfaitement dans le moule et prêts à venir chercher les meilleures places sur les courses. Du coup j'entraîne les gars en fait à l'année sur le team Vendée, donc le but c'est de les former au projet de la course au large dans la globalité. C'est toute la gestion de projet à terre et du coup comme on dit souvent un projet à terre performant c'est sur l'eau, du coup c'est performant quoi. Et le format de course est super aussi parce que pour nous les coachs on voit des choses qu'on voit pas à l'extérieur en fait, quand ils sont au large tout ça on voit pas ce qu'ils font quoi. Donc là du coup ça nous permet de comprendre en fait les erreurs qu'ils font et d'en discuter avec eux le soir.